Bon après-midi et bienvenue pour suivre nos bulletins de la journée pour ça, jeudi le 10 octobre. Dans la nouvelle après-midi, dans son rencontre hier, le conseil ministre prend une décision pour aider à renforcer son lutte contre le crime commis à travers Internet parmi les autres cisés. Représentant Seafront Development, c'est la compagnie qui peut construire un hôtel Rouge Caïman. Une des crises a posé comment l'investissement dans le district Rouge Caïman et qui pour bénéficier pays en termes d'emploi et revenus qui promenaient. Ombudsman Georges Robert y demande tout le monde pour apprendre son office pour qu'on puisse le travail qu'il a fait et pour aussi qu'on plie bien quoi qu'il y en a dans la constitution de nos pays. Et le côté international, cyclone Milton a finalement frappé la côte Floride des États-Unis hier. Il fait beaucoup de dégâts, effet qui n'a pas courant côte la côte plus que des millions de monde. On nous voit la nouvelle en détail. Le Conseil ministre a approuvé pour qu'il y en ait l'amendement qui gagne fait dans la loi Cybercrime ou bien crime commis à travers Internet et les autres la loi qui relient avec ça. Vice-président Meda Fifi dit que le gouvernement voit le nécessaire pour faire sa bonne amendement pour qu'il y en ait une bonne définition claire quoi sa bonne crime et pour faire le plus facile pour prendre action contre les gens qui commettent sa bonne offense. Il dit que nous la loi devrait aussi faire provision de qui manière nous l'autorité y collabore avec bonne l'autorité dans les autres pays. Et dans sa même année, le conseil ministre a décidé qu'il cessait il devrait faire partie Convention Budapest qui est venue en force en 2001. Budapest Convention, il est considéré dans le monde comme une bonne convention plus moderne qui aide tout pays la guerre contre bonne, ce qu'on appelle cybercrime. Ça veut dire bonne façon de faire criminel que tout le monde est capable d'entrer dans un système informatique, voler l'information, entrer dans un compte la banque, voler l'argent, faire bonne fraude. Qui ont fait ou perdu l'argent, et tout ça s'appelle cybercrime. Et si nous nous formons partie de Budapest Convention, nous prenons accès et coopération internationale plus haut niveau qui pour mettre nous comme un pays à jour avec les besoins qui nous pouvaient mettre en place bientôt à cause de toutes choses qui ont un réseau digital. De plus en plus, les criminels pas besoin de servir de méthode et l'attaque physique. Vous êtes fait dommage un pays. Vous êtes capable de faire ça simplement, vous êtes capable de faire moins porte à travers une façon qui contrôle l'avion, par exemple, sa software qui contrôle air traffic control et servi, un système qui contrôle toute la lumière l'aéroport, à soi, qui base l'informatique pareillement ou système de génération d'électricité. Il y a aussi tout son quelque chose qui base l'informatique. Et si vous êtes capable de pénétrer, t'as tout générateur. Fini mettre payer otaz parce que pour prendre le temps pour remettre parce que au système pas paiement assez. Alors vu que nous pays peut bouger dans sa direction, nous besoin à jour avec tout bonne l'agence sécurité dans le monde et bonne meilleure pratique qui existait pour protéger justement sa bonne réseau pour faire ainsi que nous pas tombe en panne à cause d'une attaque. Justement nous conscient pour dire ça y a menace réelle et que nous peut faire c'est de temps à autre. Nous pouvons faire nos bonnes 10 personnes qui travaillent non seulement dans l'ICT, mais dans les autres secteurs, le gouvernement, et nous pouvons croiser le secteur privé faire pareil, pour nous avoir un training nécessaire. Bonne la banque qui déjà fait ça, nous avons un bon système qui protège les autres réseaux, la compagnie Telecoms qui fait ça, nous avons un data center par exemple, pour nous avoir une attaque qui arrive au système, l'information qui arrive. Ils gagnent copier l'un l'autre système et ils sont capables de remettre les pour référer à ce système à travers l'autre location. Mais seulement la clé là-dedans, c'est qu'il y a 10 monde dans une bonne organisation qui a joué avec toute sa bonne méthode qui gagne servi par criminels aujourd'hui. On connaît par exemple en octobre, il y a un training qui nous envoie certains nos bonnes 10 monde. Il y en a qui peut faire à Abu Dhabi, il y en a à Dubaï. Et nous pouvons envoyer les autres. Et nous pouvons tout bon endroit, quand il y a un bon training, et nous pouvons, autant que nous sommes capables, faire nos bonnes 10 personnes, avoir un bon training, gagner un bon certificat plus haut niveau.
C'est Bonnet 2026 qui est l'hôtel Melia qui est trouvé au Chicaïman pour commencer à accueillir son bon premier client. Ça l'hôtel 6 étoiles pour l'accompagner Seafront Development et s'y poser finir construire l'année prochaine. Média est capable de visiter sa posée qui vaut 140 millions de dollars qui en a plusieurs composants tels que sa l'hôtel lui-même, centre conférence et 68 appartements qui Seafront Development peut vendre. C'est la compagnie Ellen Marine qui peut développer sa posée en partenariat avec la compagnie sortie l'Émirat Arabe Uni. Responsable pour le développement sa posée, Robert Thorington, il dit qu'ils ont en confiance qu'ils sa posée pour un succès malgré qu'il s'en est une difficile pour le secteur tourisme. In terms of the state of the tourism sector, I mean, it's widely known that 2024 has been a tough year. I think arrivals are flat, but spend is down. We believe that that's cyclical and that it'll, you know, tick up as the season starts, as the airlines start to fly back to Seychelles, which is happening now. We have to believe long term that fundamentally Seychelles is still the right bet. So, you know, just because I mean, every business has cycles, and we might be in a dip at the moment, but we believe we come out of it. In terms of the site and why we chose to do a hotel, well, though you're right, it may not be ecologically sensitive, the site, it's still prime real estate. I mean, we're 5 minutes from the international airport, 5 minutes from Victoria, 5 minutes from the largest super yacht marina in the Indian Ocean. There is currently in Seychelles no branded business hotel. There are other hotels that offer transit type of accommodation, but they're not branded. So we saw an opportunity, and we think that the positioning of the site, the product, the pricing of the product, the size of the rooms will be attractive. Mm-hmm. To talk to your other point about diversification, well, that's the whole reason we've got a medical component on the site. Mm-hmm. We see that as the main diversification play for Land Marine and for Seafront Development. À l'occasion, la Sounet Ombudsman nous a dit, Ombudsman Georges Robert, il demande public et travailler en général pour qu'on plie bien cette constitution. M. Robert il demande public pour venir rencontrer lui et son bon travailleur de bonne rencontre qu'ils ont organisé et aussi qu'ils ont l'office. À l'occasion, ça, la Sounet, l'office Ombudsman organise une activité que le public est capable de venir rendre l'information et faire un dialogue avec Ombudsman lui-même. Constitution, il fait provision qu'il y en a un bureau ombudsman qui s'y veille, fait l'enquête et cause avec bon différentes branches gouvernement le bon décision et action qui affecte les bon citoyens personnellement. Activité peut faire côté camion hall en ville, ça, jusqu'à 1 après-midi dans des toilettes temps là. Et plus qu'il y a une trentaine de monde passe côté sa activité depuis qu'il a commencé, ni fait beau matin. Okay, so the ombudsman is singular, so I'm the ombudsman, and we have an office, and our role is the constitutional watchdog for the people of Seychelles in regards to public administration decisions taken by government. So when the government, so for example the president, ministers, PSs or public authorities take decisions, and those decisions have an effect on your rights, and you feel your rights have been violated or breached, you can come to the Ombudsman's office and we can review that decision. Do you have any further questions or will you think about this and then give us a call? Okay, so our phone number is at the back, our office is there. Okay, so, all right, thank you for coming down. This morning we've had a great turnout so far. We've already had some very interesting and insightful conversations. I'm quite happy with the turnout and hopefully we'll get some more as the day progresses. What do you have to say to the people of Seychelles on this special day today? Today is the day we reflect on the role of the Ombudsman as that constitutional watchdog and its greater role within the constitutional setup of our country. I would ask the people of Seychelles also today to have access to their constitution, have a read through, and if they have any questions to come down today and I'll do my best to answer them, or they can come to our office at Ati Chambers. Nous arrivons à la fin de notre bulletin Miel à Sounet pour l'après-midi. Merci pour suivre. Passe un bon après-midi.